m'appelle Luca Martin, je vis en France et ceci est mon propre chemin. J'ai commencé le vélo en club, j'ai vraiment suivi les étapes d'apprentissage comme il fallait le faire, donc je me suis vraiment épanoui dans un club proche de chez moi, il s'appelait Tourette-le-Vins. Plus tard, on a monté une structure team UCI pour que je puisse faire les Coupes de France avec mes amis, mes coéquipiers. Et voilà, j'ai progressé, puis je suis arrivé au team KM Cerber. Dans mes entraînements, je fais de la route et du VTT, bien sûr. Donc ici, dans la région, c'est compliqué. En VTT, on est direct dans les pierres. Donc on a tendance à faire des sorties plutôt courtes de 2 heures et demie maximum, parce que sinon, on rentre dans un état de fatigue intense. Puis je me sers énormément du vélo route pour justement aller faire des 4 heures et 5 heures. C'est ce que j'adore, c'est ma partie. Voilà, ou de détente, où je fais ma petite pause boulangerie, je fais mes beaux petits cols de la région. Mon père m'a vraiment transmis la passion, la vraie passion des voitures, surtout les japonaises. Je suis un peu tombé dedans à cause de lui, je dirais, parce que je connaissais pas du tout ce genre de voiture. Mais c'est un côté assez excitant de se dire que ces voitures-là n'existent pas en Europe. La voiture, c'est vraiment un antidépresseur, ça me permet d'aller voir des paysages juste magnifiques derrière pays niçois. Puis aussi le pilotage, c'est vrai qu'on peut le dire, ça fait une adrénaline, c'est autre chose que le vélo. Il y a plus de vitesse, c'est différent. C'est aussi ça le plaisir, c'est de les avoir transformés conduite à gauche. Donc c'est un très long travail, à peu près deux ans de travail. Pas à temps plein, mais comme on est passionné, on fait ça quand on a le temps, à temps perdu. C'est quelque chose qui met une petite flamme en soi.
Ah, pour moi, Nice, c'est la meilleure région pour rouler, hein. Ça, c'est évident, on a de tout. On a les montagnes, la mer, le bord de mer, l'Italie à côté. Donc oui, c'est un très bon endroit pour travailler. On peut faire des cols en montagne, des cols très hauts, comme on a le plus grand col d'Europe, le col de la Bonnette. C'est vraiment la région parfaite.